Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Traïtsi. Fanjo, tu es prêt? Oui, allons-y. Dans les cours précédents, nous avons appris les mouvements de la première et la deuxième partie de la forme de sabre du Traïtsi. Avant de commencer le nouveau cours, revoyons ensemble tous les mouvements appris. Regardons les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Maintenant, voyons les fleurs cachées sous les feuilles 3. Sabre dans la main droite, enroulez la tête de gauche à droite et ramenez sous l'aisselle gauche. Ok, fais-le une fois. Bien. Lors de l'enroulement, on colle le revers du sabre contre le dos. Puis, on ramène sous l'aisselle. Refais-le avec moi. C'est parti. Les fleurs cachées sous les feuilles 3. Observez bien le mouvement des mains. Maintenant, voyons le mouvement pas vide, cacher le sabre. Sabre dans la main droite, faites un tour d'enroulement, enveloppez le cerveau. Ensuite, écartez et retournez-vous. En position du pas vide, poussez avec la paume. Bien, regarde-moi faire une fois. À toi maintenant. Encore une fois. Bien. Quand on enroule vers l'arrière, une fois qu'on a descendu le sabre, on ramène le pied, on tire, on se retourne pour regarder, puis on avance le pied en même temps qu'on pousse avec la paume. Bien, on refait une fois ensemble. C'est parti. Pas vide, cachez le sabre. Les mouvements des mains et des jambes doivent être bien coordonnés. Ensuite, on étudie le dragon sort de l'eau. Sabre dans la main droite, avancez en piquant. La jambe droite avance en position de l'arc à droite. La force arrive à la pointe du sabre. Bien, regarde-moi faire une fois. À toi maintenant. Ok. Après le mouvement de tirage, on avance rapidement. Lors du piquage, la force arrive dans la pointe. Bien, vas-y avec moi. C'est parti. Le dragon sort de l'eau. Maintenant, voici le mouvement des trois cercles autour du soleil.
Sabre dans la main droite, pourfendez vers le bas en biais, passez par le côté gauche au-dessus de la tête, pas croisé, accroupissez-vous et pourfendez vers le bas. Tournez alors la taille, balayez horizontalement, tournez le corps entièrement, sautez, pas croisé, accroupissez-vous et pourfendez. Balayez encore un tour, tournez le corps, sautez, pas croisé et pourfendez. Bien, regarde-moi faire une fois de manière enchaînée. Premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Bien, fais-le une fois. Un. Deux. Trois. Très bien. Quand on pourfend, on sort la force. Quand on tourne la taille, on accélère, on balaye un tour, ensuite on saute et on pourfend vers le bas. On balaye, on saute, puis on pourfend à nouveau. Fais-le avec moi une nouvelle fois. C'est parti. Encore. Les trois cercles autour du soleil. Attention à rester bien stable lors de l'accroupissement après le saut. On refait les mouvements de manière enchaînée. Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du Traitir. Quels sont les points importants de la séance? D'abord, les fleurs cachées sous les feuilles 3. La difficulté est dans l'utilisation de la technique d'enroulement. Lors du mouvement, le dos du sabre doit être collé contre le dos. Pas vide, cachez le sabre. Lors du mouvement enveloppez le cerveau, le sabre doit être collé contre le dos. Le dragon sort de l'eau. Avancez en sortant la force et en piquant. Le sabre et le bras forment une ligne droite. Les trois cercles autour du soleil. La rotation du corps doit être stable et le saut doit être souple. Le mouvement de balayage du sabre se fait d'une seule traite.
tous ces mouvements afin de mieux saisir les points fondamentaux. D'abord, les fleurs cachées sous les feuilles 3. Pas vide, cachez le sabre. Le dragon sort de l'eau. Les trois cercles autour du soleil. On refait une fois de manière enchaînée. Rappel de la définition du sabre du Taizi. Le sabre du Taizi est une arme courte du Taizi Chuan. Il se base sur les mouvements du corps et les déplacements du Taizi Chuan. Les mouvements sont fluides avec des techniques de sabre bien distinctes. La force est bien transmise et on alterne entre douceur et fermeté. Les mouvements du sabreur doivent être bien coordonnés. Démonstration d'une forme en duo de sabre du Taizi. Fangjo, tu as fait de bons progrès dernièrement. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. La séance s'achève, on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. Lors de la prochaine séance, nous continuerons avec l'étude des mouvements de la troisième partie. Soyez fidèles au rendez-vous.